Vous ne pouvez pas sauver quelqu'un qui ne le veut pas. Laissez-le commettre des erreurs. C'est le meilleur moyen d'apprendre. Tu peux leur donner la clé de la réussite en main propre. Le chemin est tellement dur et demande tellement d'efforts que même avec la clé, ils feront demi-tour. La vérité, c'est que vous n'êtes pas nombreux à vouloir payer le prix de la réussite. Il y en a beaucoup d'entre vous qui prétendent vouloir réussir, mais il y en a peu, en réalité, qui le veulent réellement au plus profond. Quand tu veux réellement, ça devient une obsession, tu n'as même pas l'idée. Si tu respires pas, si tu manges pas, si tu dors pas business, ne viens pas te plaindre à la fin. Mais je pensais pas ça de toi. Et mon coup de Twitter. Tout de suite, ça parle de réussir. Ça tire la gueule. Parce que les gens ne veulent pas réussir. Et ils préfèrent manifester, c'est bien connu. Si je fais tout ça, c'est aussi pour ma famille, pour ma progéniture. C'est ça un homme, c'est un sacrifice. Sinon c'est quoi un homme? Mon père, lui, il se levait tous les matins à 4 heures pour sa famille. Quand t'as un père qui fait ça, quand t'as un père qui fait de tels sacrifices, quand tu le vois de tes propres yeux, tu peux pas être un perdant après ça. C'est impossible. Si tu l'es, c'est vraiment que t'as un problème dans ta tête. Mais je pensais pas ça de toi! Les gars qui arrivent à voir leurs parents partir tous les jours au taf, pas beaucoup dormir et qui foutent rien de leur vie, j'arrive même pas à le concevoir. C'est impossible. Et tu oses après ça aller en soirée? Tu oses aller en soirée? Vous êtes des animaux. Je me sentirais tellement mal d'aller en soirée, sachant que, imaginons, ma femme serait obligée de travailler. Non mais c'est fou ça quand même. Tu devrais te sentir mal. Tu devrais chercher à changer les choses. Après c'est que mon avis, je sais pas. C'est une mentalité différente, c'est vrai. Après, c'est une mentalité qui me sépare un peu des autres aussi. Oui, bon, c'est peut-être ça. Il y a pas longtemps, dans les commentaires d'une vidéo, j'ai vu « Ouais, t'es égocentrique, t'es arrogant. » Je me dis « Ouais, bah c'est peut-être ça qui fait que j'ai de l'argent aujourd'hui. Hein, c'est peut-être ça. Peut-être le fait que je paraisse arrogant. » Aujourd'hui, je vais insulter des mères. Est-ce que c'est peut-être pas ça aussi le secret en quelque sorte? Peut-être. Une telle confiance en soi. Peut-être. Vraiment se centrer sur soi-même, s'améliorer, c'est peut-être ça aussi. Je sais pas, il y a peut-être un peu de ça. Alors faites les choquer, faites ce que vous voulez. Mais je pensais pas ça de toi. Moi je vais vous dire un truc que je pense très sincèrement. Toutes les personnes qui sont riches ont un ego mais énorme. Elles paraissent humbles en interview, elles font semblant d'eux. Mais crois-moi que leur mentalité, elle n'est pas différente de la mienne. Et je le pense très sincèrement. Quand tu vois des gars comme Elon Musk, Jeff Bezos, peu importe, même des sportifs, LeBron James, Mike Tyson, ce genre de gars qui sont vraiment hissés très haut, des chanteurs, des rappeurs, peu importe mec. Mec, ces gars-là, dans leur tête, ne pensent pas une seule seconde qu'ils se disent pas qu'ils sont les meilleurs. Ne pensent pas une seule seconde que ces mecs-là, à l'intérieur d'eux, tout fonctionne comme toi. Ça ne fonctionne pas comme toi. Et ça, vous voulez pas le comprendre. C'est pas grave. Vous ne comprenez pas que même si en interview ils font semblant d'eux, ces mecs-là, à l'intérieur d'eux, ils ont un mental de malade. Tu peux pas arriver à de tels niveaux sans penser que t'es le meilleur. Sans avoir une éthique de travail de fou malade, sincèrement. C'est que mon avis, après, hein. Vous pouvez le partager ou pas, mais c'est ce que je pense. Et c'est nécessaire d'avoir cette confiance. Il y a même pas 2 ans, je disais exactement la même chose. Parce que des fois, je les vois venir. Il y en a qui me disent « Ouais, tu fais comme Andrew Tate, t'as confiance en toi et tout. » Ça me fait rire. J'ai cette mentalité depuis 2 ans. On le connaissait Andrew Tate il y a 2 ans? Non. J'ai l'impression que les gens vivent à travers les tendances actuelles, tu sais. Et ils connaissent quelqu'un en ce moment. Il s'est forcément inspiré de lui. De toute façon, c'est la confiance. C'est ça le plus important. Je me disais comment l'ego dans ce métier. On a un ego tellement, tellement important. On a un ego trop surdéveloppé, quoi. Tu penses qu'il a besoin pour réussir dans ce métier? Oui, je pense même que encore plus pour le One Man Show. Tu peux pas douter de toi. Tu dois pas douter. Et de toute façon, dans tous les cas, t'as pas le temps de douter. Tu te convaincs que t'as confiance en toi pour faire les actions. Et en faisant les actions, c'est justement ce qui va créer ta vraie confiance. Le but est de te convaincre que tu as confiance en toi et d'agir en conséquence. Et à force d'agir en conséquence, tu finiras par te forger une confiance en toi qui est réelle. Mais pour agir, il faut déjà te dire que tu peux. Quand bien même tu ne saurais pas si tu peux, dis-le toi. C'est comme ça que moi, au début, je dis « Ouais, je vais devenir riche, je vais le faire. » Pour l'instant, j'avais rien.
Tu dis je vais devenir riche, mais il y a 2 ans, j'avais rien. Tu dis mais qu'est-ce qu'il raconte ce petit con ? Enfin, j'étais toujours pauvre. Enfin, c'est con. Mais je faisais les actions tous les jours pour. Et le simple fait de, chaque jour, faire les actions pour, moi, ça me suffisait pour avoir une vraie confiance en moi. Pourtant, j'étais toujours pas riche. Est-ce que tu comprends maintenant ? Par contre, les actions allaient dans une direction. Et le simple fait de savoir que, toi, par exemple, à 7h30, tu dors pendant que moi, je travaille, ça me permet de me rassurer. Parce que tu crois vraiment que ma confiance en moi, elle sort d'où ? Écoute, toi, 7h30, dormir. Moi, être éveillé. Quand toi, venir me parler à moi en face, moi, te voir comme une merde, c'est tout. Ou inférieur à moi, parce que merde, ouais, c'est un petit peu abusif. Inférieur à moi, bien entendu. Parce que c'est vrai, je vais pas vous mentir. Quand je croise un jeune de mon âge, je vais avoir tendance à le regarder un petit peu de haut. Peut-être même que ça va se ressentir, mais je le fais pas forcément exprès. Et c'est parce que j'estime tellement être différent, j'estime tellement avoir fait de sacrifices, des nuits blanches, j'ai bossé comme un fou malade, qu'en fait, tu vas ressentir cette confiance que j'ai en moi. Et cette confiance-là, elle est tellement énorme, tu sens qu'il y a quelque chose derrière tout ça. Et toi, la première déduction que tu vas en faire, c'est « Ah, il est arrogant !» Mais la vraie déduction qu'il faudrait en avoir, c'est « Ce mec-là, il a vécu des choses. Est-ce que tu vois ce que je veux dire ?» Peut-être que tu te demandes maintenant « Ah, est-ce que c'est pas contre-productif de niquer son sommeil ?» C'est vrai qu'on nous dit souvent « Ouais les gars, faut dormir plus de 8 heures par jour, c'est important, tout ça. » Je vais pas être contre ça. C'est sûr qu'en dormant 8 heures par jour, t'es plus performant techniquement sur le papier. Le problème, c'est que la réussite, ça se construit avec une mentalité. Et ça, les gens l'oublient. Je vais vous expliquer. Ce que les gens n'ont pas compris, c'est que la pièce la plus importante d'un business qui fonctionne ou d'une personne qui réussit, c'est la mentalité. C'est quoi être un entrepreneur ? C'est quoi être une personne qui réussit ? Bah, c'est suer plein d'échecs et finir par réussir un jour. Tu réussis jamais du premier coup. Les gens qui n'ont pas compris, c'est que la pièce maîtresse d'une personne qui réussit, c'est la mentalité. C'est pour ça que moi, quand on me traite d'arrogant, ça me fait rire. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Est-ce que tu penses que cette arrogance que tu perçois en moi, c'est pas ce qui m'a permis d'en arriver là où je suis ? En fait, ça veut dire quoi ? Tu peux dormir 8 heures par jour, et t'as raison, tu peux réussir comme ça. Ta mentalité, elle est très importante. Ta mentalité, elle va te permettre de te relever après chaque échec. Parce que faut pas croire, hein, c'est 99% d'échecs pour 1% de réussite. Est-ce que tu penses que tu as le bon mental ? Quand tu vis la même vie que tout le monde, tu te lèves à la même heure que tout le monde, tu dors pareil que tout le monde, en fait, tu vis comme tout le monde, à la seule différence que t'as un business sur le côté. C'est déjà ça, la question qu'il faut se poser dans un premier temps. Et moi, ce que j'ai compris, c'est que je vais faire plus d'efforts que les autres pour avoir une meilleure mentalité. Plus d'efforts pour construire quelque chose. Quand tu te lèves à 7h30 du matin, tu bosses pas forcément mieux. Tu vas pas forcément mieux réussir parce que t'as gagné 1 ou 2 heures dans la journée. L'autre, il va se lever à 8h30, 9h. Il y aura peut-être 2 heures de décalage entre toi et lui. Je te dis pas que tu vas le dépasser tant que ça, même si 2 heures en plus chaque jour, sur 1 an, c'est énorme. Mais c'est pas forcément ça qui va te faire mieux réussir. Par contre, il y a une chose que t'oublies. C'est que quand tu te lèves à 7h30, tu bosses pas forcément mieux qu'une personne qui se lève à 9h. Et je vais même te dire un truc. Peut-être que tu bosses encore moins bien parce qu'il est 7h et que t'es KO. Et tu bosses encore moins bien qu'une personne qui a pris sa petite douche, son petit café là, qui a dormi 8h et qui a le corps vraiment reposé. Par contre, ta mentalité, elle, mon pote, ta mentalité que t'as en te levant tôt comme ça, mon pote. Et vous savez quoi, je me souviens, dès le matin, je prenais mon petit ordinateur Acer Predator là, je l'ouvrais comme ça sur mon bureau, la porte ouverte, tout le monde dort, mon père il se lève, il se préparait pour aller au taf, moi j'étais déjà là. Allez vas-y papa, bonne journée, bon courage. Et moi j'étais là comme ça, avant d'aller au boulot, dès le matin, 5h30. Et des fois, écoutez bien, je prenais mon téléphone comme ça. Écoutez bien, c'est dur ce que je vais vous dire. Je prenais mon téléphone un samedi matin, je me rappellerai toujours. Je vois 5h30, sur Snap, les gens ils rentrent de soirée ou ils sont même encore en after. Ces mêmes personnes-là, encore aujourd'hui, je regarde mon Snap, ils ont pas changé leur habitude. C'est les mêmes stories qu'ils postent. Y a aucune différence, y a aucune évolution dans tous les contacts que j'ai sur mon Snap. Aucune. Moi, à 5h30, j'étais là, je bossais. Et je savais que eux, ils étaient en train de s'amuser. Alors tu vois ce que le gars appelait arrogance. L'arrogance, c'est tous les sacrifices que j'ai fait dans ma vie en comparaison de ce que tu n'as pas fait. Toute la rigueur, toute la discipline que j'ai eue, que tu sens dans mon regard et dans ma voix. Et ça, c'est ce que tu appelles arrogance. Tu sens dans ma voix que je n'ai même pas une once d'hésitation. Tu sens dans ma voix qu'il y a un travail derrière tout ça. Sur plusieurs années, la traduction que tu vas en faire, c'est arrogance. La traduction que je vais en faire, c'est je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait. C'est tout, ça s'arrête là. Faut pas chercher midi à 14h. Par contre, je le répète, tu vas pas être super productif à 5h30 du matin. Mais ta mentalité, elle, va être incroyable. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. Et c'est simple. Pour y avoir accès, vous avez le lien en priorité dans la description.
Voilà, rentrez vos infos, commandez-le sur Amazon. En plus, en rentrant vos infos, vous ferez partie gratuitement de la communauté privée des pros. Un email par semaine pour prendre en puissance. Après, si vous en foutez, vous pouvez vous désinscrire. Maintenant, il est urgent de faire un choix. Soit vous n'y allez pas dans la description, je respecte. Ok, soit comme les pros, vous lisez mon livre, vous appliquez tous les secrets qu'il y a dedans. Et vous changez votre vie. Parce que Master Time, ce n'est pas un livre ordinaire sur l'optimisation du temps. Ce n'est pas un de ces livres qui normalement aurait dû faire 5 pages, mais dont l'auteur ajoute 200 pages de blabla pour vendre son livre plus cher. Ah, Master Time ne fonctionne pas comme ça. C'est le seul programme qui, dans chaque page, te rapproche de la méthode permettant d'obtenir de vrais résultats. Master Time, c'est le mode d'emploi pour gérer votre temps, faire décoller votre business, pulvériser vos concurrents et devenir toujours meilleur et plus puissant avec des techniques tout droit sorties du monde impitoyable dans lequel nous vivons. Master Time, c'est du concret. Ici, on ne fait pas de blabla. On s'en fout du politiquement correct, on est là pour les résultats. C'est pas un livre pour les gauchistes fragiles, hein. Allez, les gauchistes hommes soja qui regardent Cyril Hanouna tous les soirs et consomment des vidéos de motivation avec des gourous autoproclamés, des beurrettes en string, et voilà. Non, Master Time, c'est pas un livre destiné à ces personnes. No, God! Master Time est destiné aux entrepreneurs, pour qui l'échec n'est pas une option, et la réussite de leur business est une question de survie. Prêt à tout défoncer, et à entendre une réalité sans filtre. Alors Master Time est fait pour vous. Master Time va vous apprendre à dominer votre temps pour obtenir des résultats dès le premier jour. Vous aurez simplement à suivre le plan d'action du réveil jusqu'au coucher de ce livre. Ainsi, vos résultats exploseront en même temps que votre compte en banque. Maintenant, imaginez pouvoir vous contrôler à 100%, avoir une confiance décuplée, une détermination sans faille, une productivité, un corps de rêve, une santé incroyable, d'être la personne dont vous avez toujours rêvé de devenir. C'est possible, en mettant en place dès maintenant les actions de ce livre, appliqué par les plus grands dictateurs de l'histoire. Montez en puissance grâce au livre Master Time, et tout sera possible. Un dernier mot pour les pros, pour ceux qui lisent mes livres, et mettre un pouce bleu à chacune de mes vidéos pour m'encourager à faire de mon mieux encore et encore. Pour avoir comme ceux qui ont tout, il faut se comporter comme ceux qui ont tout. Énorme.